Sarah, vous allez bien ce soir? Enfin, ce soir, il fait encore super jour, donc bon, ce soir du jour, hein, écoute, hein, vu que maintenant on arrive vers des longs jours, c'est bientôt l'été. En tout cas, on dirait, vu qu'il fait déjà, genre, je crois, 20 degrés dehors. Il y a des étoiles filantes tout à l'heure, au nord-ouest, au nord-est. Je sais pas où je suis. Je sais pas si le nord c'est pile en face. Si c'est là-bas. L'Est, ça doit être là-bas. J'ai pas de boussole ici. Bah écoute, ça va. Ça va, tranquille, hein. Comme un jour, on va apprendre du basique. Le jour d'un soir ou le soir d'un jour? Les deux. On fait les deux, nous. On fait aucune transition, on fait les deux. En tout cas, aujourd'hui, il a fait genre 20 ou 22, je crois, et je crois que c'est demain ou après-demain, il fait 24. Genre, toujours dans la bulle, quoi. Allez, de moins 5 à 24, allez hop. Genre, on va. Il n'y a pas de demi-mesure, nous, on s'en fout, hein. Maintenant, il va faire plus 450 degrés, on va rien comprendre. Dans mon appart, il fait toujours chaud, même quand il n'y a pas de soleil. Je sais pas pourquoi. Donc la dernière fois en termes d'apprentissage, donc on s'était amusé avec toutes les couleurs. Comme on est vieux, on dira, il n'y a plus de saison. Mais oui, voilà, c'est à cause des jeunes là qui pourrissent la terre. Et non, c'est faux. Quoique. La dernière fois, on s'était amusé à faire toutes les couleurs là. Avec tous les pinceaux et les trucs qu'il y avait. Et j'avais fait un petit bonhomme aussi qui bougeait. C'est la faute aux Allemands? Pourquoi les Allemands spécifiquement? Et je sais plus, je crois que c'est tout ce qu'on avait fait. Hein. On avait fait locate pour savoir, pour placer le curseur où on voulait. Enfin, à l'endroit où on le voulait. Et on avait fait frame pour que le mouvement soit plus harmonieux et moins dégueu. Salut le pape en short. J'espère que t'as pas trop froid. Hein. Et salut Gurney. Donc frame, ok. Donc théoriquement, là, on va commencer par plot. Tu veux un Puikosaurus Rex? Eh mais TSM, attends. Apparemment, l'intelligence peut sortir par la tête, tu vois, à cause de la fumée que je vais émettre. Donc je veux que la fumée, elle reste bien dans ma tête, tu vois. Sinon, le basique, il va s'en aller et ce serait triste. Hein. Est-ce que je veux que le basique s'en aille? Non, je veux pas que le basique s'en aille. Bon, le petit Puikosaurus Rex, il est là. Attention à vos oreilles. Il fait du bruit, il crie. Il aime pas la chaleur. Il me l'a dit, donc il est peut-être énervé en ce moment. Voilà. La chaleur, ça l'énerve. Attention à vos oreilles, je vais pliquer. Ça a pliqué. Et voilà, il était pas content. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il aime pas la chaleur. C'est Jean-Mi, t'as modifié ton pseudo. Pourquoi t'as modifié ton pseudo? Le pape en short, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux plus l'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? Jean-Mi. Le pape en short, c'est pas mal le pape en short. Hein. Salut Tronic. Bon voilà, on s'était amusé à faire un bon petit bonhomme qui était très très mignon. Attendez que je retrouve. Je sais plus sur quoi j'étais. Plus original, c'est vrai. Il va falloir que je m'y fasse. Non, toi tu dégages Nébulus. Hein. Plus personne ne veut jamais te voir dans sa vie là. Voilà.
Heureusement que le son et pas l'odeur. Bah heureusement oui, puisque j'ai envie de dire sinon bonne chance pour vous. Hein. Et toi tu veux un tricérapouic? Oh là 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 là, les dinosaures ils ont la côte ce soir. Vous êtes motivés. Il est trop mignon. Et lui, il y a une chance sur deux que j'y arrive parce qu'à chaque fois ça marche pas. Mais c'est celui qui est le plus doux. Les autres ils sont pas doux, mais lui il est super doux en plus. Salut Roxor, comment tu vas? Attention, je vais essayer, mais je promets rien. Voilà. Quand on appuie dessus, c'est... En fait, quand je le tabasse, et là, il crie. C'est de la maltraitance animale. C'est arrêté, en fait. Bon, attendez, je vais prendre mon carnet pour écrire tout ce que je ferai. Maltraitance peluchiale. Ça va, ça passe. Avec le Pouic, ça va toujours bien. Bon, bah ça va, alors c'est cool, ça va toujours bien avec le Pouicosaurus Rex. Alors, plot, ça détermine un point sur l'écran. Ah, c'est horrible parce que le... On dirait un canard. C'est horrible parce qu'en fait, bon, vous verrez peut-être pas. Hein. Mais en fait, bah, par exemple, c'est tout effacé. Pas sûr que ça vous affiche. Hein. Mais en fait, ouais... Bon, j'arrive à lire, hein, c'est bon. Hein. Mais c'est dommage. Le texte s'efface. Alors, plot se détermine un point sur l'écran. Et ça va être encore un truc que je vais pas comprendre la différence. Hein. Donc, locate, ça sert à placer le curseur. Donc le curseur reste à ce point de l'écran là, alors que plot ça détermine un point sur l'écran, mais c'est pas forcément le curseur. Ok. Curseur graphique et curseur caractère. Ok. Je vais baisser un tout petit peu le son de la musique. Ok. Ok, ok, plot, ouais, c'est ça. Faire un essai et tu vas comprendre. Des fois, non, mon cerveau il ne comprend pas. Hein. Il y a 640 pixels horizontaux sur 400 verticaux. Les coordonnées X et Y sont définies par rapport au coin inférieur gauche de l'écran qui apporte coordonnées 0, 0. L'ordinateur a été remis à zéro à l'heure de contrôle Shift Esc. Essayez plot 300-200. Plot 320. 200. Ah. Ouais, je vois. En même temps, là, j'ai juste un tout petit point là sur l'écran. Alors que normalement, le curseur, c'est gros quand même, ça fait un carré. T'as que 200 lignes et pas 400? Mais quelle arnaque. Publicité mensongère. Et je suis pas d'accord. Hein. On est quel jour? Ah oui, on est le 22. Alors, attendez. Hop. Parce que je note quel jour je fais le cours, comme ça je peux me rappeler d'une semaine sur l'autre dans mon carnet. Donc plot. Fixe, position. Curseur, graphique. Oui, je suis en mode 2, pourquoi? Je me suis mis en mode 2 parce que comme vous m'avez dit que c'était plus simple pour lire, maintenant j'essaye toujours de me mettre en mode 2. Comme ça. Et oui, un pixel mort. Qui c'est qui a pété mon écran? Voilà, c'est de votre faute. Bon bah je vais jeter mon écran, hein, je me casse, hein, tant pis. Hein. Faut que ça remonte à la surface, ça. Je comprends. Donc position du curseur graphique. Alors que locate et des caractères. Ça fait un bail que t'as pas codé en basique. Mais là, tu vois, avec moi, tu vas revoir comment on code en basique. Donc moi, je n'ai jamais codé en basique. Donc, voilà.
Enfin, c'est mentir, jamais, puisque je suis en train d'apprendre depuis 3 semaines, je crois. Je sais pas. Plot. Locate. Ah, celui-là, il est moins fluo que l'autre. C'est pas grave. J'ai peut-être aussi... Ah, je vais prendre mes... Rainier, ils sont mieux. Ouais, je mets des couleurs, comme ça, je vois mieux. En plus, j'écris mal, donc des fois, j'arrive pas à m'en lire. Bon, après, j'écris pas aussi mal que mon papa, donc ça va, j'ai un petit peu de marge. Mais voilà. Plop. Avec. Draw. Hein? Un petit point apparaît au centre de l'écran. Changeons de mode en tapant mode 0. Plot. Ah, j'oublie le haut. 320. C'est pareil, non? Le point se trouve toujours au milieu de l'écran, mais agrandi. Changer à nouveau de mode et taper la même commande pour avoir des résultats en mode 2. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit, je suis sage. Les coordonnées sont les mêmes, quel que soit le mode. Ça, c'est intéressant, c'est bien. Pratique. C'est la finesse qui change. Pareil, en plus épais. Ouais, le mode 0, c'est vraiment le gros tas, alors que là, on est à petit a, quoi. Enfin, j'ai une théorie comme quoi, plus on écrit de lignes sur des cahiers et des feuilles, plus on finit par écrire mal. Tu crois que c'est le cas, le directeur? Franchement, je sais pas, faudrait que je regarde des études, sinon ça peut être intéressant à voir. Pourquoi on écrit mal, tu vois? Parce que peu importe le nombre de fois où j'ai essayé d'apprendre à écrire, même avec des cahiers d'écriture, où j'ai essayé, même quand j'essaye de faire beaucoup beaucoup d'efforts, ça reste moche. C'est pas genre comme les belles écritures que les gens ont. Et si je me concentre pas, si je fais pas attention, mais alors là, même les médecins, ils écrivent mieux que moi, donc bon, c'est chiant. Je vais écrire quand même que un petit peu importe le mode. Non, je suis même pas docteur. Mode 2, deux couleurs. Putain, moi aussi je vais être docteur, alors c'est quoi ça? Pas docteur, c'est nul. Ah mais ça après voilà dans les villages en parlant. Mode 1, 4 couleurs. Alors... Essayez de dessiner des points sur l'écran avec les différents modes pour vous habituer à la commande plot. Revenez ensuite en mode 1 et videz l'écran en tapant en mode 1. Ok, on va essayer alors. Hein. Mais en fait, ça veut dire que je mets des trucs au pif, genre en mode comme ça là. Ah ouais. Docteur Gikorex. Doctoresse, je trouve ça moche. Mais par contre, bon après, encore faut-il que j'y arrive. Hein. Mais si t'as un doctorat, t'es appelé docteur même si en fait t'es pas docteur. Mais... Vous avez la phobie des reptiles, jouez à Arc. Non, c'est vrai, je l'ai pas moi. What, il est où mon point là? Eh, ah ok, il doit être derrière mon écriture, c'est pour ça que je le vois pas. Oh, triste. Trop mignon. Vous avez vu, je fais une petite ligne. Je vais faire un truc automatique en quelques lignes, plot XY. Pourquoi plot XY? Ça va rien faire si je fais ça. En fait, en France, le titre de docteur est très peu cité. En Allemagne, il l'est beaucoup plus. Après, je trouve ça un peu bizarre en même temps que... Enfin, quand t'es docteur dans une matière, bah, tu sois docteur, enfin...
Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, mais bon. Les Français. Hein. R, doctor. Ouais, non. On va pas parler allemand. Hein. Non, merci. L'allemand, c'est très pas beau du tout. Donc, parlez allemand entre vous si vous voulez, mais pas avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu me dis, déjà machin, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me dis d'écrire ça? Ça fait quelque chose? Oh! Mais draw, c'est juste après. Problème. Non, mais t'as cru cartophone aussi, ouais. Ah, je vais en manger ce soir, d'ailleurs. Mais j'aime bien. C'est juste après draw qui me dit dessine une ligne. Remise à zéro, alors... Attendez, c'est quoi déjà pour remettre à zéro? Je sais plus. Call zéro, non? C'est pas un truc de genre? Si, je crois. C'est fou. Je suis pris dans mon tête. CLS. Que c'est CLS? Merde, c'est parce que je suis pas sur le bon écran en fait. Ouais. 4-0, c'est radical. Ok. Je vais l'écrire au cas où. Comme ça, je saurai. En fait, limite, voilà, je casse l'ordi. Mode, c'est mieux que CLS. Ah, c'est bon, je l'ai cassé. Alors, on va dessiner un carré apparemment. Si elle commence déjà à appeler des routines assembleurs. Ah. Je brise des trucs, moi je comprends pas. Hein. 10, lot, 10,10, 20, wow. 390, 30, 630, 90, 40, 130, 10, 50, 10, 10, 60, 60, run. Waouh. Waouh. Mais c'est beau. Une fois que tu auras fait le carré, mesure les côtés. Les pixels du CPC ne sont pas carrés. Mais non, c'est pas un carré, on dirait un rectangle. Enfin, un rectangle, mais genre... c'est bizarre un peu. C'est genre, c'est parce que c'est... Je sais pas, on dirait pas un... Mais après, le problème, c'est comme il y a des illusions optiques... J'ai pas l'impression que ce soit un carré, là. J'ai l'impression de voir un rectangle. Mais bon. Après, oui, tu peux les voir, là, les petits... en fait, c'est pas une ligne continue pour moi, là, je le vois, on dirait, on voit plein de petits trucs, en fait. Tu veux que je mesure avec une règle? Est-ce que j'ai une règle chez moi? J'ai une règle, mais elle est pourrie, et en plus, elle est toute petite. J'ai pas grand-chose chez moi, là. Le point est deux fois plus haut que large. Mmh. Ok, maintenant. Ok, maintenant apparemment faut que je fasse la suite. Oups, désolé, mon doigt il a bougé. Merde.
Ren. Wow. Ouais, ça se voit que les pixels sont pas. Enfin, les pixels sont pas. Normalement, quand tu fais ça dans un autre logiciel, genre la ligne, elle est vraiment droite, quoi. Là, je sais pas, hein, il y a des petites formes en fait qui s'affichent. Mais c'est bien, Nora. Poupouni, je veux devenir cadre. Oui. Enfin, théoriquement, je peux déjà devenir cadre avec mes études, donc ça va. Mais j'ai pas envie. Je veux devenir un cadre au pire. Ce serait cool. Comme ça, ils pourront m'admirer tout le temps. C'est bien aussi. Wow. Et merci pour ton followzik. En mode 1, 2 points mode 2, équivalent à 1 point mode 2, donc haut et largeur pareil. Ok. Je vais essayer de faire la même chose, mais si je fais genre 60-60, est-ce que ça va marcher? Je sais pas du tout. Lui, il a mis des trucs en mode. Ouais, faut pas que je fasse comme ça en fait. Faut pas que je fasse comme ça en fait, je pense. Je crois que je me suis trompée. Parce que lui, il met à chaque fois de 10, il reprend le truc du dessous. Et il reprend un chiffre inférieur. Donc je mette 60 en fait. Merde, j'ai le curseur maintenant. Pas ça a marché ce que j'ai fait. Après, il met quoi là? Ok, il met 620. Je sais pas ce que je fais, hein, mais bon, c'est pas grave, j'essaie. Merde. Je pense que mon truc va ressembler à rien. Mais c'est pas grave. Merde, ça a même pas marché. Pourquoi mon truc à moi, il a pas marché? Mon carré, il était bizarre, non? Je dois enlever le goto? Ah non, je dois tout retaper. Non, je dois pas tout retaper. Hein. Comment je fais pour effacer la ligne 110? Vais chercher. Normalement, je l'avais noté, mais je sais pas où. Non, en fait, je l'ai pas. Et maintenant, si je fais run. Waouh! Bon, bah, vous savez maintenant pourquoi je fais pas architecte, hein. Mais ça fait comme s'il y avait un carré. En fait, c'est fait exprès. Je voulais faire comme dans les RPG où le personnage parle. Et là, vous voyez, donc théoriquement, il y a le personnage qui parle à la personne qui est là. Et là, c'est la zone de dialogue qui s'ouvre, vous voyez? Tout à fait. Hein, c'était voulu, hein, c'était entièrement voulu, en vrai. C'était très voulu, d'ailleurs. Voilà. C'est beau, hein. Ah, je sais. Je fais des œuvres d'art parfois comme ça, là, sans le faire exprès. C'est un autre monde. Hein. Voilà.
Ok. Ok, donc la commande move, c'est plot, mais en invisible, quoi. Move. C'est de l'art abstrait, mais tellement. Alors, la commande move fonctionne comme plot, c'est-à-dire que le curseur graphique se pose sur le point des coordonnées x, y, sans tracer le pixel au nouvel emplacement du curseur. PS. Move. Merde. Move. 139. V2.349. Bien que nous ne le voyons pas à l'écran, le curseur graphique se trouve maintenant dans l'angle supérieur droit. Mettons cette position en évidence en traçant une ligne à partir de ce point vers le centre de l'écran. Un portrait. Ok. On peut dessiner des cercles à l'aide des commandes plot ou draw. Pour dessiner un cercle, vous pouvez placer les coordonnées x et y de chaque point de sa circonférence. Sur la figure suivante, un point P peut être placé avec la commande plot en utilisant les coordonnées x et y. Oh mon Dieu. Ça devient des maths avec cos et sin. Ouais, t'as vu, il y a des bonnes musiques qui passent sur ma chaîne. Ouais, je sais. Ils aiment bien la musique. Dans les programmes précédents, on avait fixé le centre par rapport au coin inférieur gauche de l'écran. Pour tracer un cercle au milieu de l'écran, il faut placer son centre aux coordonnées 320 et 200, puis dessiner tous les points du cercle par rapport à son centre en ajoutant les coordonnées. Waouh, on peut faire un cercle, quoi. Pourquoi il a mis new, lui? Ok. 10, c'est LS. 20, c'est deg. Oh. Ah, égal. Merde, il est où le. 1. Ouf. 360. 40, move. Oh, pourquoi c'est pas identique au vrai clavier? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de marquer moi? Je ne sais pas. Hey, ça manque pas dans le jeu ça. Alors, c'est un cercle, mais c'est pas si rond que ça, si. On me en file de fer. Je dirais Pac-Man, plus maintenant. Ah, c'est un style quand même, hein. Fait une forme un peu chelou, mais ça a un style. Hein. Le mot-clé new précédent, l'entrée du programme remet la mémoire à zéro. Ok. Le rayon du cercle peut être réduit en diminuant le nombre 190. Pour obtenir un cercle déterminé d'une manière différente, en radiant, enlever la ligne 20. Moi, j'y voyais des têtes de crevettes dans ces formes. C'est grave, docteur? Moi, je pense que c'est parce que t'as faim. Parce que moi, j'y vois rien. Enfin, si, au début, je voyais genre un peu l'image du soleil levant du Japon. Parce qu'ils ont le demi. Mais maintenant, là, non, j'y vois plus rien. Hein.
Merde, c'est dur à marquer tout ça. Attends, si je fais run, ça fait quoi? Oh mon dieu. Moi, je me demande pourquoi mon sac il est pas uniforme. Hein. Réponse de El Director. Ouais, regardez, il s'arrête, mais pour moi, c'est pas fini là. Il y a plein de trous. Regardez, c'est moche. J'aime quand c'est genre entièrement rempli, c'est beau. Attendez, mais elle sert à quoi la ligne 20 alors? La ligne 20, c'était deg. Dans le programme précédent, on se servait de la commande move pour fixer le centre du cercle, puis on a ajouté les coordonnées x et y à celle du centre. Au lieu de cela, nous pouvons utiliser la commande origin, attention pas de e à origin, c'est un mot réservé. Elle place les coordonnées x et y de chaque point en fonction d'origine. Vérifions ceci avec un programme. Hola, Goob. Je vais bien et toi? En fait, tu fais pas un cercle mais 360 traits. Wow. Je suis triste. C'est moins bien. Il n'y a pas moyen d'en faire un tout court? Oh, cool. Dans la boucle for next, mets un step très petit. Oh, c'est bizarre en vrai, hein. Une cacahuète heureuse parce que tu ne penses pas à tes problèmes. Bien, Goob. Le plus simple serait de faire ça en dessinant le tour et en poussant le cercle avec fil. Non. Attendez, alors, à quoi sert Origin? À faire le tour, en fait. Non? Ouais, mais on en parle après de fil. En fait, tout ce que je vois moi avec Origin, c'est que ça fait des petits points partout, mais pas très beau. Alors, attendez. Je vais essayer l'autre. Ok. C'est un fois ça. Ouais.
Merde, à chaque fois que je fais un truc, mais il n'y a pas besoin. Non, je me suis trompée. Comment je fais pour remplacer 110 par 100? Bon, au pire, j'en ai beaucoup. Hein. Je vais mettre 120. Next. Ça marche? Yeah. Le plus simple serait de faire ça en dessinant. Origine sert à définir l'origine. Ça permet de dire je veux que mon point 0, 0 il soit au centre de l'écran maintenant. Donc. C'est pas très beau, hein. On dirait moins quand je dessine. Ouais, c'est long. Hein. Grave. Bah écoute, bientôt les Jeux Olympiques de Paris, non? Ah non, peut-être pas en fait. Non, j'ai rien dit. Deg. Pourquoi deg? Waouh, c'était tellement rapide. Ah, deg. De Tokyo cet été. Le pain de seigle. Ah, ça me donne faim. Arrêtez, j'ai pas mangé en plus. Hein. Mais deg pour degrés. Ah, bon, j'ai pas l'impression que je l'ai déjà vu, mais ça doit être dans les trucs de maths que j'ai pas fait. Par défaut, sur basique, les angles dans les fonctions cos et sinus ne sont pas en degrés, mais en radians. Ok. Les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Pourquoi pas? Sans personne pourra voyager, alors bon. Voilà. C'est la vie. Ok, et si je fais paf et que je fais run. Ah, c'est beau. Ok, s'il n'y a plus d'aigle, ça va pas. C'est pas en cacahuète. Non, on va essayer fil. Là, j'ai pas remarqué, mais on est en mode. Enfin, après, on. Il nous a mis en mode 1, c'est pour ça, ok. Nous sachions. Et on a fait un beau truc. Et maintenant, en train de réparer. Placez le curseur graphique au centre de l'écran en tapant Move 320 200. Merde, c'est Move, pas Move. Ok. À l'aide du mot-clé Field suivi d'un numéro de stylo 3, par exemple, remplissez l'écran à partir de la position du curseur graphique. Je mets juste Field 3. Waouh. Waouh. Mais c'est trop cool. Ah, et je mets mood au lieu de. Bon, c'est pas. Quoi? Pourquoi ça a rien fait? Ça a rien fait.
Bon, c'est très moche, mais c'est très cool. J'adore. C'est trop bizarre, mais c'est trop cool. Ok. Il n'y a pas cette commande sur 464, mais c'est pas que là ça marche. Mais ça veut dire que la commande fill, elle reconnaît que la ligne égale pas dépassée, quoi, en fait. Ou alors c'est via move. Non, move, ça dit juste où il doit être. Bah, j'ai mis ce qu'on m'avait dit d'émuler, en fait. Théropouic! Oui, c'est ça, c'est la commande fill qui détecte les bords. C'est trop fort. Il vous juge. Bon, je vais essayer de le faire sonner hein, sans vous péter les oreilles, donc baissez le son au pire. Hein. Vous savez, hein. Fait mal, hein. Attention. Est mignon, hein. Il est tout petit. Je pense qu'on a entendu, mais je sais pas. Il ne faut pas dénigrer de 464, en effet. Et oui, après, je peux comprendre que oui, c'est pas la même chose. Attends, on va dessiner un cercle carré. Ah non, cercle tracé, pardon, je sais pas lire. J'ai bugué là en mode. Pourquoi pas? Ok, donc plus tu la places au bon endroit, et il vaut mieux donc, en fait, si j'ai bien compris, on va dire que là, si ça c'était fermé, voilà, là c'est fermé, il vaut mieux le placer là pour que ça fasse tchouk, plutôt que de le placer là parce qu'il va faire tchouk, puis tchouk. Non, c'est pas ça? Enfin, moi, c'est ce que je comprends, parce que tout à l'heure, on l'a placé là, donc ça a d'abord rempli ça, puis ça a rempli ça, alors que après ça a fait d'un coup, pioum. Bon, après c'est parti, mais bon. Ok, je comprends. Sauf si on fait exprès de faire un truc super lent pour que les gens ils attendent. Merde, je mets un espace à chaque fois, mais. Ah, il est où le moins? Ah oui, c'est vrai. Ben, fait laisser. Au final, non, je n'ai pas besoin vu que c'est ce qu'on a fait juste à l'instant. Quand j'ai placé le curseur en 320,200, donc c'était pile au milieu, il a mis d'abord, il est parti à droite, puis il est parti à gauche. Alors que quand on a fait move 0,0, il a direct tout rempli en fait. Ah, c'est un cercle moche. Je suis déçue. J'aime bien cette musique. Ah! Est-ce que ce serait pas un peu un drapeau chinois ça? Bon, c'est pas une. Bref. C'est moche. C'est moche, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est très moche, voilà. Non, je suis déçue. Je voulais un cercle bien fait et ça m'a fait ça. Pas. Apparemment, ils ont dit de changer, donc on va changer.
Merde, signe, B. 70, next. 80, move. Moins 180,0. 90, fil 3. Run. C'est trop bizarre, on a fait un... une sorte de cercle machin. 45, graphite, pen, 2, ink, 2,1, run. Trop cool. Ça pourrait limite être l'écran d'un jeu, ça. La commande graphique pen sélectionne le stylo pour le traçage des graphiques. La commande ink spécifie la couleur de l'encre. Ok. Ok, ok. J'ai compris. Alors... maintenant, il nous dit de taper un truc. Merde. Trop cool, c'est toutes les couleurs. Non, attendez, pourquoi il y a deux fois la même couleur? Je me suis trompé quelque part? Je sais pas, non? J'ai trouvé les commandes manquants en RSX pour mon 464. Bonne chance. Tu peux le faire, je crois. Mais là et là, c'est les deux mêmes couleurs. Hein. Alors, stop. Merde, mais je vois rien quand je tape, moi. Est-ce que je tape, là, en fait? Sûrement. Salut, TCC. Comment tu vas? Blague.
Ah, c'est horrible de coder comme ça. C'est écrit en gros. Et est-ce qu'il y a vraiment des gens qui codent comme ça? Genre en mode ouah et tout. Moi je préfère. C'est plus beau. Faut vraiment être mieux. Oui, il est vieux. Oh cool. Ah, c'est illisible hein. Après là je m'en fous vu que je recopie un code, j'ai pas besoin forcément de bien voir. Mais oui, des vieux. Des vieux hein. Faut vraiment être myope. Remarquez, si j'enlève mes lunettes, je pense que j'aurais besoin de ce mode là. Hein. Sincèrement. Hein. Je suis myope comme une top, hein, donc ça s'arrange pas avec l'âge, donc. C'est douloureux hein. C'est la vie hein. Oh my god! Non mais on passe de. Enfin, on passe d'une page comme ça là en mode oh c'est bien, c'est cool hein. Un truc comme ça, s'il vous plaît, là. Le respect il est mort là, il y a 500 lignes. Hein. Le respect il m'a regardé, il a fait ouais non. La larme elle coule. C'est bon, on fait une grosse fiesta, regardez. C'est. J'espère que vous aimez ma fête. Mes parents chez moi avaient un écran 21 pouces 4 tiers cathodique et quand je l'ai mis en 800 par exemple, ils étaient contents, ils n'avaient plus besoin de correction. En un sens, ouais, je comprends. Hein. Mais malheureusement, moi, vu la vue que j'ai, même avec un écran XXL, je verrai que dalle. Hein, donc, faut que je colle l'écran à mes yeux. Hein. Bah écoutez, finalement, on fait ma fête d'anniversaire tous ensemble ce soir. Voilà, allez, on met la musique à fond, on s'ambiance, allez. Ouais, non. Je crois que les soirées disco... Oh, merde. En vrai, les soirées disco, j'adore. Genre, vu que moi, je viens de la campagne, hein, nous, il n'y a que des balles. Les boîtes de nuit, il y en a quelques-unes, mais généralement, on n'y va pas, c'est pourri. Hein. Les balles, c'est super bien. Et des balles, c'est quoi? C'est que les années 80, généralement. Alors oui, tu vas avoir une ou deux musiques un peu... des années d'aujourd'hui, hein. Mais les trois quarts c'est des balles avec des musiques genre des années 80 et à la fin tu finis avec le lac du Connemara et t'es en mode wouh, voilà hein. T'es passé par le laser. Bah j'aimerais bien le faire moi aussi TSM mais ma vue bouge encore malheureusement. Alors chaque année je enfin on m'avait dit oui à 25 ans ça va s'arrêter. Je pense que mon corps il a pas compris qu'il a plus 25 ans hein. Mais apparemment mon corps croit qu'il a encore moins de 25 ans hein. Puisque ma vue continue de bouger. Et puis de toute façon, en étant étudiante, j'ai pas les moyens de faire une opération ou quoi que ce soit. Mais par contre, ouais, quand j'aurai terminé mes études, que j'aurai les moyens. Et si ma vue arrête de bouger, je le ferai, je pense aussi, parce que ça me saoule. Et puis au cas où, il y a l'apocalypse, là, hein, et il faut réfléchir à ça aussi. Hein. Ça peut chuter longtemps, sérieusement. Dans une boîte en Lozère, un de mes amis m'avait dit qu'il avait vu des chasseurs y débarquer en boîte. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je mets new, mais en fait, ça sert à rien. Bon. Border 0. Graphique 1. 20. M égale synth RND. 3, 2. Moins M. Plus 1 égale RND. 26. Mais il y a trop de trucs, je suis déjà en train de me perdre. I, 2, égale, RND. Ah, c'est vrai qu'à un temps, le port du masque, c'est... Enfin, moi, j'ai des lentilles, donc ça va, tu vois. Mais ça, ouais, non, c'est trop chiant. Toi, t'as acheté un chien? T'as pris quoi comme chien? C'est trop mignon. Enfin, chez moi, il y avait une soirée spéciale années 80. À chaque fois, c'était blindé de monde. Bah laisse tomber, c'est génial, enfin, qui aime pas les soirées années 80, enfin, on s'amusait trop, nous, j'adorais y aller. C'est dommage, parce que maintenant, avec le Covid, eh ben, on n'y a plus rien, mais bon. Attendez, je me suis trompée de ligne, là. Eh, mais c'est horrible, comment tu fais pour coller? C'est horrible, il y a plein de lignes. J'ai en train de me perdre.
Ah, c'est pas le même signe. Bah, bien sûr. Merde, il est où le crocodile? Je trouve pas le crocodile. Et bah, à plus en tout cas, Rododou, merci d'être passé sur le stream. Moi, j'ai pris l'audio description pour la TV. Bah, bravo. Le télétexte, qu'est-ce que c'est le télétexte? 5 euros l'entrée. Ouais, généralement, c'est ça. Tu payes 5, entre 3 et 5 euros. Et franchement, tu passes l'une des meilleures soirées de ta vie. Je veux dire, moi, j'adorais. Hein. Je passais d'excellents moments. Hein. Il est où ce foutu truc là? Pourquoi il est là? C'est faux, tu mens. Il est là? C'est vrai. Pour une fois qu'il ment pas. Bon, j'essaie de me concentrer, mais je me perds dans toutes les lignes. Je sais pas comment vous faites. Hein. Peut-être l'habitude? L'âge? L'intellect? Je ne sais pas. Donc, I1. Nick. 1, I2. 60, S égale RND, 3, 5, plus 3, médine, 320, moins, enfin moins c'est là, 70, fort, X égale moins 1000, bah bien sûr toujours plus, ou 0, step, S. Quoi, il a écrit step S? Ça se fait step S? Mais c'est pas un 5, ça c'est un S. Hein. Bah sûrement. Eh, mon ventre il commence à grogner, ça annonce la fin du stream. Hein. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Quoi? Je me suis fait. Ah non, c'est bon, ça fait quelque chose. Et j'ai vraiment cru que j'avais juste colorié l'écran. Hein. Et je vous dis, j'étais en train de devenir folle. Hein. Tu n'imagines pas, non? Franchement, si dans les années, si dans 40 ans, on a des soirées années 2020, l'ambiance sera nulle à chier. Hein. Autant, je veux bien. Il y a des. Franchement, il y a des musiques. Bah, que j'écoute, hein, ou pas d'ailleurs, mais que je vois passer. Même les Aya Nakamura, les choses comme ça, pour moi, c'est des musiques que tu écoutes la plupart du temps quand tu veux danser et t'amuser. Les paroles sont pas très recherchées, ou alors elles ont même aucun sens parfois, mais genre. Bah, elles sont. Enfin, comment dire. C'est des musiques avec le bon petit rythme là qui te fait genre danser quand t'es. Voilà, tu te bourres la gueule, tu danses avec tes potes, tu t'amuses. Franchement, c'est ça va, ça me gêne pas en vrai. Après, par contre, Jul ou Maître Gims, pour moi, c'est. Pas de musique pour danser, hein. Enfin, je sais pas. Après, c'est déjà passé quand j'étais en bal. Hein. Donc ça existe déjà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine, comment dire, présence des années 80 qui est là et qui est toujours là. Est-ce qu'un jour ça disparaîtra? Est-ce qu'un jour. Je sais pas. Mais les années. Enfin, vous remarquez, il n'y a plus de bal, donc ça se trouve, il n'y en aura plus jamais. Hein, donc. Bien, voilà, hein, on s'est réglé. Et j'ai défini le S à la ligne 60. Ah, ok, ouais. Je comprends que dalle au code, par contre, hein, mais bon. Par contre, ABS, j'ai un doute. C'est quoi ABS? If, abscisse, l'abscisse de I1 moins I2 est supérieur à 10, alors 30? Je veux dire ça? Je sais pas. Oui, avec nous. Avec vous. Ouah, c'est trop cool comment ça se déplace. Fascinant. Pourquoi on fait pas des vidéos de satisfaction avec de l'Amstrad en fait?
Waouh, ça fait de la... Oh, c'est trop bien. Et salut Riti, comment tu vas? Non, c'est bon pour Abs. Ok. La disparition des années 80. Tu penses qu'elles partiront en même temps que vous? Moi, j'ai un doute, hein, parce que quand j'en parle à mes amis ou à mon entourage ou aux gens autour de moi, je veux dire, par les trois quarts des gens avec qui je suis allée en soirée au bal, hein. Après, est-ce que ça mourra pas peut-être un peu avec les balles? Là, par contre, j'ai un doute, hein. Parce que, par exemple, je suis allée quelques fois en boîte. Alors là, par contre, il y a du Aya Nakamura, il y a du Jul, il y a du Maître Gims, il y a tout ce que tu veux, hein. Toutes les musiques récentes, elles passent. Quelques fois, je crois, c'était des soirées spéciales années 80, donc là, par contre, il y avait des musiques d'années 80, mais je crois que dans les balles, je crois que dans les balles, il n'y avait pas. Dans les boîtes, il n'y avait pas les années 80, donc très peu. Par contre, les balles, mais un bal sans musique des années 80, ce n'est pas un bal. Et surtout sans la musique des lacs des Connemara. Genre, tout le monde s'ambiance à mort, ça, c'est là. Ça, c'est quand, tu vois, quand tout le monde commence à s'endormir un peu. Là, tu commences à t'endormir et tout, t'es en mode, ouais, on va peut-être rentrer. Et là, le DJ, il sent que ça va être l'heure. Et il te balance les lacs du Connemara. Et là, tu t'ambiances, tu sautes dans tous les sens, tu reprends un coup et c'est reparti pour la soirée, tu vois. J'adore. Franchement, ça manque de pas pouvoir faire des balles là à cause de ce Covid qui sert à rien. Enfin, apparemment, c'est bon, on va être déconfiné le 1er mai. Ça ira, on pourra refaire la fête. La musique des années 60 et 70, j'en ai entendu plein jusqu'aux des années 90. Et puis de moins en moins. Mais la danse des canards, la danse d'Hélène, bon, la danse d'Hélène, elle me fait pitié, mais bon, il y a plein de musiques de gens qui passent. Après, par contre, voilà, comme je dis, c'est que dans les balles. Donc, est-ce que le jour où les jeunes n'iront plus en bal, et que ça coûte moins cher pourtant que. Enfin, je veux dire, tu vas en boîte, ouah, ça c'est trop beau aussi. Tu vas en bal, pour 5 euros, tu rentres dans le bal et tu fais ta fête. Les bières, c'est entre. Ça peut être 2 euros comme ça peut être 5 euros. Par contre, en boîte, l'entrée, c'est souvent 15 ou 20 balles et tu payes une bouteille. Une conso, c'est limite 10 euros. Une fois, on voulait un. En fait, on s'était déjà bourré la gueule avant d'aller en boîte. Bon, déjà, avec mes potes, j'étais en mode, faut qu'on ait l'air clair hein, pour pouvoir rentrer, parce que voilà. Et une fois qu'on est rentré et tout, on avait vachement soif, parce que, bah, mine de rien, les boîtes, c'est fait exprès, hein. Ils chauffent, enfin, c'est extrêmement chaud et ils aèrent très rarement, voire très peu. Parce que comme il fait chaud, t'as soif, et comme t'as soif, tu consommes. Logique, hein. Même si c'est pas très intelligent, mais c'est logique. Et bah je me rappelle, on a demandé un Diabolo menthe et un Diabolo grenadine, hein, s'il vous plaît. Du sirop avec de l'eau. 8 balles. Genre, je l'ai regardé, j'ai fait non, je suis allée dans les chiottes et j'ai bu au robinet. Voilà, dès que j'avais soif, j'allais boire au robinet, j'en avais rien à battre. Genre, après, voilà, je suis allée quoi peut-être 4 fois en boîte, 5 fois. Mais par contre, 40 000 fois en balle. Hein. Les balles, j'ai fait tous les balles de la Terre. Hein. T'as animé des balles dans une asso, mais ça c'est bien. Big bisou, mais ça aussi ça passe des fois. Hélène, je m'appelle Hélène. C'est pas celle-là, t'as une danse d'Hélène, c'est genre. Je mets les bras devant, je mets les coudes derrière. Je sais plus ce que c'est, mais elle est débile. Genre, je mets la tête devant et. Enfin, c'est des trucs comme ça, là, elle chante. Et quand j'ai découvert que cette chanson c'était la danse d'Hélène, j'étais dégoûtée. Genre, pourquoi utiliser mon nom pour des choses comme ça? Oui, je fais de tout petits ronds, c'est ça là. Et je vais en avant, mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est la danse d'Hélène, c'est nul. C'est nul. J'ai fait danser les gens sur Baby Shark. Mais Baby Shark, c'était à la mode. Il y a aussi Daniela, mais c'est quoi Daniela? T'es allé une seule fois dans ta vie? J'y suis allée. Ouais, je suis pas. En fait, le problème, ce qui me saoulait, c'est que ben, quand t'es. Voilà, déjà, en étant étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Payer 20 balles pour y aller. Puis bon, tu veux quand même boire, tu veux t'amuser et tout. Genre, 40 euros la bouteille, qu'en plus, tu peux pas ramener. Donc, une fois que si tu l'as pas fini, c'est dans ton cul, hein. Non, merci, en vrai. Et Elmer Footbeat, qu'est-ce que c'est? En maths, en terminale C, on chantait Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fonction comme les autres. Oh mon Dieu! Fun fact, une fois j'étais en cours et en fait on avait eu quand j'étais en bac pro, on nous avait fait des petits cours spécifiques. On nous avait dit que voilà, si on voulait, en fait c'était pas du soutien, c'était un, alors c'est pas un TD, je sais plus comment on appelait ça à l'époque, hein. Voilà, mais c'était un petit cours pour nous aider si jamais on voulait se réorienter soit en cursus général, soit aller à la fac.
Et en fait, on a étudié justement la fonction hélène. Et là, la prof, elle a dit, bon, alors, qui peut me dire où est-ce que hélène est? Et là, t'as ma pote, elle a fait quoi? Elle a fait, bah, elle est là, hélène. Après, donc, t'as ta calculette, tu vois, et t'as hélène, et en dessous, t'as un truc. Et donc, la prof, elle dit, y a quoi au-dessus d'hélène? Ma pote, elle fait quoi? Elle regarde au-dessus de ma tête. Elle fait, bah, y a rien. Voilà, c'était drôle. Voilà. Ouais, on se fait chier, hein, écoute, hein. Qu'est-ce que tu me montres? Elmer Food Beat Daniela. Ouais, je vais pas la mettre, je vais me faire strike. Dans un bal, ambiance de ouf, car il y a autant de monde sur la piste, sur les séances musettes, que sur la variété années 80. Excellent. J'avais jamais vu cela. Bah, TSM, je suis allée dans plein de bals. Et je me rappelle qu'on avait des bals musettes. En plus, on avait de l'alcool, c'était du vin blanc et de la limonade et du citron. Enfin, ça, c'était un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'était délicieux. C'est un tout petit verre, tu fais des petits culs secs, là, tu finis par terre à la fin de la soirée, mais tu t'en fous. Et c'était le bal musette. Donc l'ambiance c'était voilà, avec les petits bals musettes, les petits intrins, l'ambiance de ouf. Je me suis jamais autant amusée de ma vie, quoi. C'était trop bien. Et pourtant c'était un bal musette. Bon, après il y avait le bal disco, hein. On s'en fichait en vrai. Le but c'était s'amuser. Puis on connaissait tout le monde. Enfin moi je connaissais personne au début, mais bon j'y suis allée 45 000 fois, donc au bout d'un moment je connaissais tout le monde, hein. Et c'était génial en vrai. La caissière de chez Leclerc aussi. Elle aime bien. Oh, les balles de campagne. Hélène, E égale 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Les balles de campagne, c'est la meilleure chose. Je me rappelle, il y a 2 ans ou 3 ans, pour mon anniversaire, je faisais rien le soir même, le samedi. Et là, il y a ma pote, elle nous a dit... Non, une des clientes nous a dit qu'il y avait un bal dans une ville près de chez moi. Et on s'est dit quoi? On s'est dit, on y va, on n'y va pas. On a hésité pendant 2 heures. Donc les 2 dernières heures de travail, on a hésité à y aller. Et je crois même que la dame, elle est repassée en mode, oui, alors vous y allez ou vous y allez pas et tout. Genre, elle était trop à fond, plus que nous. D'ailleurs, je me suis tapé la honte ce jour-là parce que j'ai une de mes chefs, elle a carrément dit dans le micro qu'on souhaitait bonne joyeux anniversaire à Hélène. J'étais en mode, non. C'était drôle, mais voilà. Et au final, on est allé à ce bal et c'était trop cool. Genre, d'ailleurs, les clients après ils nous ont demandé le lendemain parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont croisés. Ma pote avait pas bu parce qu'elle faisait Sam, mais moi, bah, j'avais bu vu que c'était mon anniversaire. La tête de déchirée que j'avais le dimanche matin, ça c'était trop mal. Mais bon, voilà, c'était drôle quand même à faire. La caissière de chez Leclerc. Tu parlais pas d'une vraie caissière. Enfin, moi, je te parlais de moi, caissière. Voilà. Maintenant, vous savez. Mais c'était drôle. C'était très drôle, cette soirée. Au final, à la base, je pensais fêter mon anniversaire seul à rien faire. Enfin, être chez moi, aller me coucher tôt, parce que le lendemain, je travaillais à 9h. Finalement, on est rentré, il était 4h du matin. Et le réveil à 8h, je peux vous dire, j'ai eu mal. Ça m'a piqué. Allez, break. Dans une boîte de nuit à Montpellier, le DJ annonçait les anniversaires et la tradition c'était que tout le monde criait « on s'en bat les couilles ». Merde, je vais me faire strike, non? Le plastique c'est fantastique. Et tu chantes Barbie Girl? Non. Et j'ai des références des années 90, hein, me jugez pas, hein, moi je suis pas dans les années... Mais nous aussi, quand j'allais dans les bals de campagne, ils disaient « oui, bon anniversaire, non, non !» Et je crois d'ailleurs que mes potes, ce jour-là, elles sont allées voir le mec qui faisait la musique pour lui dire que c'était mon anniversaire, donc il l'a dit. Mais en fait, je me souviens pas de tout. Parce que j'avais bu, donc bon. Voilà. Hein. Bon, après, je bois pas. Enfin, je bois seulement quand je sais que c'est des gens de confiance qui vont prendre soin de moi. Et ma pote, genre, j'avais 100% confiance en elle. Enfin, je savais que. Enfin, j'avais pas non plus tant bu que ça. Mais bon, déjà, c'était il y a longtemps. Et je m'étais fait plaisir quand même, c'était cool. Plastique Bertrand, je connais pas. Elmer Food Beats, c'est un jeu de mots vulgaire. Il y avait qu'à voir une de ces affiches de leur concert. Bon, j'en fais un dernier, après je vais manger. C'est dur en vrai.
Ça plane plus pour lui. En fait, c'est triste. Les musiques, je trouvais qu'elles étaient... Je sais pas, elles étaient différentes, en fait. Les musiques d'aujourd'hui, elles sont vachement... comment dire? Elles sont bien certaines, hein. Mais elles te restent... Enfin, les paroles te restent pas dans la tête. Tu danses pour danser, quoi. Tu danses pour... tu bois et tu danses, mais tu retiens... Enfin, je veux dire, quand t'as les démons de minuit qui sont balancés en plein bal, mais qui ne chante pas? Genre, tout le monde chante. T'as pas une seule personne qui chante pas, quoi. Genre, tout le monde connaît. Ça commence, l'ambiance, tu la sens monter. Enfin, c'est génial, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ouais, j'ai fait ça. Et c'est un peu dommage, parce que... Bah... Je sais pas, je trouve que c'est bien. Il est où, mon truc, comme ça? Je sais rien. Ah. Là. Non, là. Non, là. Putain, le plus, il est là. Non, c'est là. Quoi, PI? Comment je fais ça? Oh, j'en sais rien, non. Ah. On va s'aimer. Ah non. On va s'aimer. Le rap, c'était mieux avant. Viens danser sous le soleil des tropiques. Bah ouais, bien sûr. Ça, c'est des musiques, genre... Laisse tomber. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? X pourcentage, virgule X pourcentage. Ok. Tout va bien se passer. Bon, je le sens. Boss. A sur B pourcentage. Virgule. Je le sens. Sin. A sur C pourcentage. 130. If flag égale 1. N. 40. 140. Next. Et 150, flag. Égal. 1. On retourne. Oh, c'était chiant. C'est une variable. Qu'est-ce que ça fait? Eh, c'est space, ça. Voyage, voyage. Bah oui. Toutes les musiques des années 80, quoi. Enfin... C'est une variable entière, ça ira plus vite. Qu'est-ce que c'est censé être? Qu'est-ce que c'est? Tu trouves ça joli? Freud ne dirait pas la même chose. Non, je rigole. Un tunnel spatio-temporel. Oh, j'avoue, là, sans la forme, là. Si tu prends juste ça, on dirait les trous noirs, les trucs dans le genre. Enfin, les trucs, en tout cas, d'astronomie et tout, là. Eh, maintenant, on dirait le signe d'Assassin's Creed. Michel Fugain, je sais même pas c'est qui. Mais je crois que j'ai déjà entendu. Bon, en attendant, les enfants, hein, je vais y aller. Je vais aller manger. Je vais mettre shop. Hein, ouais, je trouve ça. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois. Non, toi, Tronic, t'es un pervers sexuel, c'est tout. Ça, là. C'est ça, la prochaine fois, ce qu'on fera. La prochaine fois, on fera ça et on arrivera à la partie 9. Utilisation des sons. Ouah, mais si je tape tout ça là, tout ça là. Je vais mourir, mais ça va bien se passer. Bah, en attendant, écoutez les enfants, je vous laisse. Mon cochon, il est tombé. Il est mignon, non?
Bah normalement il est mignon mais vous pouvez pas le voir donc tant pis pour vous. Il est mignon hein, ouais je sais. Voilà, mais c'est mon petit cochon là, bouge pas. TSM. Oh mon dieu, vous allez trop loin. Eh ben bon, enfin pas bon appétit à vous hein, si vous avez déjà mangé. Mais merci en tout cas. Et bah, passez une excellente soirée. Merci d'avoir été là. On continuera donc jeudi prochain. Et demain, on se retrouve donc pour le stream Amstrad, mais version jeu vidéo. Où là, par contre, on fera donc Captain Blood et le truc Caillou aussi et plein d'autres trucs. J'ai tout noté de toute façon. Voilà. Donc à demain pour ceux qui seront là. Et autrement, bah, passez une bonne fin de semaine. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Ciao!